Évidemment, la métaphysique sort d'une période de plusieurs décennies de remise en question assez fondamentale, notamment, en tout cas pour nous continentaux, les questions issues de Heidegger et la fin de la métaphysique, vraiment. Et je pense que cette période est en cours, je n'ose dire de dépassement, mais peut-être de résolution, de plusieurs façons. Peut-être parce qu'on a pris acte justement de ces analyses, mais on les a soumises aussi à falsification, si je puis dire. Et l'on s'est aperçu que sa lecture, peut-être un peu trop englobante, un peu trop univoque, de tous les auteurs métaphysiques sous le chef de la fin de la métaphysique, appelait des mises au point sur chacun d'entre eux. Alors chacun s'y est mis sur son auteur, et il s'est trouvé quand même que des auteurs bien plus avancés et compétents que moi ont pu déblayer le terrain en soi pour la métaphysique, et en particulier pour Thomas d'Aquin, en l'extrayant, j'allais dire, des pièges, ou en tout cas des déterminations propres de la métaphysique en tant qu'elle était dénoncée par Heidegger. Donc, à la fois, je pense, la période Heidegger est peut-être un peu en train de glisser, si je puis dire, et Thomas d'Aquin, qui a été sous les feux de la rampe, parce qu'il, par bien des côtés, il passait pour le prince de la métaphysique, pourrait-on dire, en est sorti grandi, mais alors il a fallu affiner, parce qu'au fond, il ne correspond pas au concept devenu classique de métaphysique, celui-là même que Heidegger dénonce, et pour le résumer, là, je m'appuie, j'allais dire, sur les caractéristiques relevées de manière très brève et mordante par Jean-Luc Marion. Il faut, dit-il, pour qu'un concept de métaphysique se déploie, un concept a priori des temps, univoque. Il est a priori, c'est l'acte de l'esprit qui précède l'être, il est univoque, il se distribue sur tous ses ingrédients a priori. C'est Duns Scott, c'est pas saint Thomas, qui, lui, ne présente pas un concept a priori et certainement pas univoque. Il faut, dit-il aussi, une représentation de ces concepts, c'est-à-dire la prétention de ces concepts à maîtriser leurs objets, et donc Dieu aussi, qui fait partie du concept d'être, va, si je puis dire, pour les catégories, pourrait-on dire substance, accident, qu'on ose prétendre les représenter, les maîtriser conceptuellement, pourquoi pas, Dieu, ça ne marche pas parce qu'il a un statut transcendant, bien sûr, et donc, ou bien il appartient au concept d'être et donc à la métaphysique sous ce rapport, ou bien il n'appartient pas. C'était évidemment la conclusion de Jean-Luc Marion lui-même qui consistait à dire que Dieu était en dehors du domaine de l'être si le domaine de l'être était celui d'un concept univoque à même de représenter la totalité de son objet. Et donc ces caractéristiques-là ont été déblayées et de ce point de vue, ça a permis d'ailleurs de regarder Thomas peut-être sous un angle nouveau, à savoir que il n'a pas construit sa métaphysique à partir d'un concept et il n'y a pas inclus Dieu. Mais d'autres l'ont fait. Donc, outre Duns Scott, qui peut-être est le premier à mettre les choses au point, celui qui a accompli cette mise en système, c'est Suarez, auteur, pourrait-on dire, de seconde zone, enfin qui n'a fait jamais, pas tout à fait partie, jamais fait partie des auteurs de premier rang, mais dont on a découvert à cette occasion l'importance sous-jacente, car au fond c'est lui qui est le socle de toute la modernité. Après tout, Descartes, c'est la génération qui suit immédiatement. Suarez, c'est la doctrine officielle des jésuites pendant plusieurs siècles, donc de toute l'Europe cultivée. C'est sur lui que tout repose, une sorte de scolastique tardive où, en effet, la métaphysique se construit à partir d'un concept de manière déductive et où Dieu tombe dans la métaphysique, comme dit Suarez. Il tombe dans le concept de métaphysique, cadite, littéralement. Donc il est préhensible, au moins conceptuellement, par la métaphysique. Or, c'est ce modèle-là, trop systématique, trop à l'échelle humaine, pourrait-on dire, est trop rationnel, qui a un peu fait reculer tout le monde depuis quelques décennies. Mais maintenant, on a mieux compris que Thomas d'Aquin, justement, n'en faisait pas partie. Comme si, d'ailleurs, il avait eu l'intuition rétroactive qu'il fallait pas s'engager de ce côté-là. Pour le coup, Marion parle même de cette métaphore. Il y a chez Thomas d'Aquin des crans d'arrêt très forts par rapport à cette évolution ou cette dérive, enfin, ne la disons pas de manière négative, mais cette évolution de type conceptuel où Dieu finirait par être inclus. Donc, ça veut dire que, de deux choses l'une, ou bien il n'y a qu'un modèle de métaphysique,
Car, selon Heidegger, et selon Marion aussi pour le coup, toute métaphysique en tant que telle est constitutivement ontotéologique, donc suarezienne si on veut, ou bien il y a un autre modèle possible, mais il semble que non. Donc, s'il n'y a qu'un modèle possible, celui-là, alors Thomas d'Aquin n'a pas fait de métaphysique. Du tout. Et on se dit, mais enfin quand même, c'est un peu énorme. Ou bien on essaie de dire, oui, ben, il y a peut-être une autre manière de faire de la métaphysique qui échappe à ce modèle. Mais non, ce n'est pas possible, car Heidegger a dit qu'il n'y avait que ce modèle-là, on ne s'en sortait pas. De ce point de vue, le rappel par Olivier Boulnois des études de Zimmermann, un auteur allemand des années 60, sur le fait qu'au Moyen-Âge, il y a non pas un modèle de métaphysique, mais trois, dont la fameuse ontothéologie conceptuelle de Duns-Scott, celle dont que je viens d'évoquer, n'est que la numéro 3 d'une certaine manière, permet de diversifier l'offre, pourrait-on dire. Les deux autres modèles sont, ce ne sont pas seulement des doctrines, ce sont des modèles qui construisent plusieurs doctrines possibles. Donc quel est le sujet de la métaphysique? Le modèle numéro 1 serait bah, Dieu. Le mot métaphysique chez Aristote n'existe pas, il y a théologie ou science divine, et Boès nous rappelle que la partie théologique de la philosophie a Dieu pour sujet principal, comme son nom l'indique, elle parle de Dieu. Bon. Donc Dieu comme sujet principal. Et modèle numéro 2, ah non, tout au contraire, c'est l'état en général. À la manière d'Aristote, d'une certaine manière, là aussi, mais on pressent que ça va être finalement plus proche de lui. Et donc, l'état en général et les causes de l'état, Avicenne, Albert, Thomas d'Aquin. Et le troisième modèle, c'est le concept univoque d'état qui contient tout a priori, tous les êtres finis et l'état infini qu'est Dieu, l'ontothéologie, le modèle qui a été dénoncé par Heidegger, mais qui est en fait le seul numéro 3, celui de Duns-Scott et un peu de toute la prémodernité ou la modernité classique. Donc s'il en est ainsi, il n'y a plus un seul modèle qui serait déterminant pour tout le monde et obligatoire, pourrait-on dire, il y en a trois, et bien donc la situation s'assouplit. Et je me souviens être parti il y a une dizaine d'années de ce constat qui venait un peu d'être mis au clair, enfin mis au propre, pourrait-on dire, pour réouvrir le dossier de la métaphysique de Thomas d'Aquin en me disant, bon, ben, la voie est libre, on peut à nouveau se demander si chez lui il y a une métaphysique qui ne serait pas, pour le coup, ce qui est devenu l'ontologie des modernes classiques. Et c'est un peu sur cette voie que je me suis dirigé pendant presque 10 ans, quoi, dont le petit livre que voici est un peu le résultat final, le résumé en quelque sorte.